tout le monde et bienvenue dans votre émission ETV en commune. Nous sommes aujourd'hui à Goyave. Goyave est une petite ville douce, calme et qui nous réservera, je pense, pas mal de surprises. Allez, c'est parti, allons voir ça un peu. Alors là, je suis avec Tico. Tico qui est en place à Goyave, qui connaît Goyave, qui est né à Goyave, c'est ça? Oui. Ok, alors Tico, justement, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur Goyave là? Bon, Goyave, c'est une commune qui développe. Et j'aime Goyave, comme vous avez dit, vous êtes Goyave. Mais malheureusement, il y a les sargasses qui nous empêchent de faire ce qu'on veut faire. Mais le maire, le commune de Goyave, il a pu ce qu'il pouvait faire. Mais malheureusement, à chaque fois, il est sur les sargasses. Il a fait des camions, des tractopelles venus il y a 2 jours. Mais malheureusement, ça revient à chaque fois. Ben oui. À chaque fois, ça revient et c'est pas bon pour la santé. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire et faire, hein. c'est naturel, c'est la nature. Oui. Mais le maire, il a fait tout ce qu'il peut faire, mais je pense que ça va y aller. Mais finalement, il y a d'autres qui viennent. Oui. À chaque fois, tous les matins, tu vois qu'il y a le verre là, mais à chaque fois, ça vient. Et du coup, il y a le reçu à côté, j'ai un reçu à côté. Mais ça nous gêne un petit peu. Oui, parce que vous êtes restaurateur. Voilà. Mais qu'on peut faire, on peut faire. C'est la nature. Mais Goyave, c'est un bel pays, c'est une belle commune. Oui, tu aimes Goyave? Ah ouais, mais je suis né dedans. Oui, je vais jamais laisser Goyave pour aller quelque part. Je paie des vacances, mais pas pour vivre. Okay. Ici, c'est ma place. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a de beau à voir à Goyave alors, en dehors de ton restaurant? Bon, Goyave, il y a Fortune. Oui. Il y a les Fortunes, il y a la visite de Mangove. Oui. Et finalement, il y a la plage à Saint-Clair. Effectivement, il a été nettoyé par le maire de Goyave. Okay. Et après, il y a Chinemoreau, il y a Badefort, il y a Jardin d'eau. Il y a Jardin d'eau. Ouais, et c'est tout. Ah ben super, mais merci beaucoup Tico. Okay, hein. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. ETV en commune, comme vous le savez, nous aimons beaucoup, beaucoup aller directement chez vous. Et on a été invité en fait par Christine de Pince-Oreille à... Christine! Bonjour Christine! Oui, bonjour Raïssa! Alors en fait Christine, ben merci déjà de nous avoir invités et peux-tu nous dire ce que tu fais réellement? Alors, ce que je fais de l'artisanat d'art en fait, avec différents produits hein, qui vont aussi bien des suspensions avec des produits que je vais glaner sur les plages un peu partout, avec des peintures, mais un petit peu en stand-by en ce moment. Et puis, ce dont je suis vraiment fière en ce moment, des sacs, fabrication de sacs, fabrication de colliers de poteaux aussi. Fabrication, en fait, c'est assez large, en fait, comme panel. C'est vraiment de l'artisanat d'art. Ok, voilà. Donc on va dire artiste et artisan. Et donc là, tu es en train de préparer peut-être un sac? Oui, alors là, j'étais vraiment en plein travail en fait. Donc, tu vois, je faisais mes assemblages avec un petit peu tous mes produits. Je commence par assembler, puis voilà, après la magie s'opère. Ok, super. Ben, on va voir la magie. Moi, j'ai hâte, elle m'a dit sac, je suis une femme, sac à main, j'y vais. Alors, du coup, en fait, là, on a... Ah oui, il y a quand même de quoi faire. Il est magnifique ce sac, très très beau. Par exemple, un sac comme ça, combien de temps te faut-il pour le fabriquer? Alors je vais dire, en comptant le tout, 4-5 heures en fait. Hein. Il faut bien 4-5 heures en comptant la réflexion jusqu'au produit terminé, c'est à peu près 4-5 heures en moyenne par sac. Oui, et en fait ils sont à base de... Alors le produit de départ, c'est un sac de café. D'accord. Voilà, donc c'est de la toile de jute. Ok. Voilà, et après... Après, c'est un travail de réflexion, de produit, de matière qui fait qu'avec de la couture, on arrive à un sac. Et en fait, où est-ce que tu arrives à retrouver tous ces matériaux-là? Oh là là, c'est magnifique, hein, vraiment. Hein. Même celui-là, il est magnifique. Où est-ce que tu arrives à trouver toutes ces petites choses-là? Ben, en fait, c'est un peu à travers le monde, des voyages qui ont rapporté plein de petits produits magiques. Ah, voilà. Super. Et donc, tu fais différentes tailles également? Oui. Alors, ça va des grands, grands sacs de plage hein, qui sont vraiment immenses jusqu'aux petites pochettes pour les femmes en général. Et j'ai aussi version masculine. Version masculine? Oui, version masculine parce que des hommes, en fait, m'ont demandé plusieurs fois. Et donc, en fait, j'ai fait des versions. Oh, c'est génial. Voilà, version
version masculine. Donc, c'est vrai que ça paraît un peu bizarre, mais j'ai vu plusieurs fois des hommes qui étaient très sensibles à ce que je faisais et qui m'ont demandé expressément pour les hommes. Voilà, donc voilà, si les hommes entendent. C'est pas que les femmes, en fait. Mais c'est super, alors, Christine. Et du coup, comment je fais pour te contacter, alors? Eh bien, écoute, Raïssa, c'est très facile. Bah, ça y est, moi, je connais déjà, hein, mais je dis ça pour vous, en fait. Hein. Alors, dis-moi. Alors, c'est donc Christine. Le numéro de téléphone, c'est 06 90 55 55 18. Et il y a une page Facebook. Alors, la page Facebook, c'est Pince-Oreille, comme un pince-oreille, l'insecte, en fait, avec un S. Et en fait, pour la reconnaître, c'est facile. Au niveau du logo, il y a, comme l'insecte, le pince-oreille qui est en rose. Oh, super. Pink. Ok, mais on ne risque pas de passer à côté. On risque, franchement, on ne peut que reconnaître de suite. Mais en tout cas, ils sont magnifiques. Bravo et bravo pour ce que tu fais, hein, de l'artisanat d'art. Honnêtement, c'est une artiste, artisan, je rappelle, hein, quand même, parce que ce n'est pas rien, de la peinture, de la fabrication, des suspensions, des colliers de poteaux, des choses comme ça. Bravo. Bah merci, merci. Non, mais c'est bien de voir que le travail est reconnu. Parce que quand on a une passion, c'est quand même bien que derrière, il y ait des gens qui reconnaissent. Bien, c'est bien, c'est bien. Je te recommande en tout cas, et je vous recommande tous de contacter Christine. Si vous avez envie de faire un cadeau en particulier, et surtout des pièces uniques, ça c'est bon ça. Voilà, merci beaucoup Christine. Et bien de rien, merci Raïssa. Et à très bientôt. Au revoir, à bientôt. Et voilà, ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous sommes devant la mairie de Goyave. Petite mairie, place magnifique et verte, c'est beau. C'est trop bien, merci beaucoup aux personnes de Goyave pour leur douceur de nous avoir accueillis dans leur petite et chère ville. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition d'ETV en commune. Et n'oubliez pas de nous contacter si vous avez envie que nous venions chez vous. Allez, salut, bye bye, et moi je cours après les poules. Allez!